Non, salut, n'est-ce pas, l'Assemblée du Pouvoir ainsi que tous nos amis qui branchés sur YouTube et Facebook, dans le nom de Jésus-Christ, nous comptons avec vous ça ce jeudi soir pour nous capables, n'est-ce pas, continuer avec l'étude ça que nous avons entamé mardi qui dernier sur la personne du Saint-Esprit. Donc, nous croyons déjà auprès, n'est-ce pas, pour nous entrer dans l'enseignement de la parole de Dieu, mais nous connaissons sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous parlons de bon Dieu pour l'assister, nous, pour l'ouvrir les yeux, nous, pour le faire nous comprendre. Parce que avec force naturelle, nous ne pouvons pas comprendre. C'est bon Dieu encore qui pour illuminer le cœur, nous, c'est pour l'ouvrir les yeux, nous, pour nous comprendre. Rappelons dans Jean 12, ça, Jésus-Christ, déclaration qu'il t'a fait. Comprendre? Donc c'est bon Dieu même qui te rend le peuple aveugle. Et ça fait Christ, il t'a parlé, il t'a parlé en parabole, parce que le message n'a pas pour eux. Mais à disciples, il t'a parlé en apporté, il dit nous-mêmes, comprendre, bon Dieu, bon nous, n'est-ce pas? Privilège ça pour nous comprendre mystère royaume, pour nous comprendre bagaille que monde naturellement pas qu'à comprendre. Jésus te prend temps pour t'expliquer la parole de Dieu. Donc nous-mêmes nous sommes des privilégiés parce que bon Dieu Saint-Esprit a ouvert les yeux nous pour le faire nous comprendre qui tant nous est et qui ça Saint-Esprit. Donc nous dit bon Dieu merci pour ça. Seigneur nous beau gloire, nous nous merci Seigneur pour bonté ou pour miséricorde ou pour compassion. Merci pour fidélité ou à l'endroit nous. Merci pour le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, et qui a conduit nous dans toute la vérité, qui a consolé nous, qui a encouragé nous, qui a enseigné nous, ou qui a dit nous qui ça pour nous dire, Seigneur, dans un moment difficile, face à la persécution, qui a inspiré ça pour nous dire dans la prière, nous, Seigneur, nous tellement charnels, nous ne pouvons pas ça pour nous dire. Nous nous remercions pour le Saint-Esprit, mais à soi encore, nous retournons, Seigneur, nous demandons autant pour faire grâce. Assois, Seigneur, mon Dieu, permette que chaque monde qui est branché, capable de sortir édifié à salut. Nous bons gloire, Dieu le Père, nous bons gloire, Dieu le Fils, et nous gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, agis, assois, fais merveille, fais prodige, fais nous sortir là édifié à salut. Dans le nom de Christ Jésus, ton Fils unique, à qui seul soit la gloire, l'honneur, la louange, la sagesse, l'obéissance et la toute puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, bien-aimés, avant de rentrer dans l'étude là, et on a invité la sœur Mérissa pour chanter encore pour la gloire de Dieu. Thy hand.
has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars and their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands has provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Oui, chers frères et sœurs, n'est-ce pas un avantage, nous, pour nous louer le Seigneur, louer pour sa fidélité,
notre Dieu est fidèle en toutes choses. Et ça fait bien aimer songer, rappeler dans moment difficile où tu as traversé dans la vie, lorsque tu es sans Dieu, ou un moment où tu es supposé mourir, ou songer qu'on a le carnaval, ou songer n'est-ce pas ambiance fumante, ou pas te mourir là, des amis qui mourent. Ah, c'est la fidélité de Dieu. Notre Dieu est fidèle, bien-aimé. Mon Dieu, nous n'avons pas changé. Même les moments avant, nous pas fidèles, il demeurait fidèle. Donc, à soi, bien-aimé, nous allons faire lecture de la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16. On a pris seulement 3 versets. 12 jusqu'au verset 15. Alors, on a pris, n'est-ce pas, 4 versets. 12, 13, 14, 15. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Donc, nous voyons ça, ces paroles de Jésus-Christ, l'étape, n'est-ce pas, on prend introduit Saint-Esprit à disciples. Il dit qu'il est avantageux pour m'aller. Donc, le m'aller, m'a pas quitté nous seul, m'a voué un autre consolateur. Ça veut dire que ça, Christ, le rôle qu'il t'a rempli, il était sur la terre là, ce rôle ça, Saint-Esprit va le remplir dans la vie, n'est-ce pas, disciples. Tandis que Saint-Esprit, pas un chèque, pas un zo. Vous comprenez? Donc, c'est preuve que Saint-Esprit, c'est un monde que lié. Donc, rappelez-nous, la fois dernière, le mardi dernier, nous avons étudié ça, n'est-ce pas, non seulement la personnalité du Saint-Esprit, mais point que nous avons touché, c'est ça que l'intellect. L'intellect. Donc, nous avons dit, n'est-ce pas, on prend, il existe une très grande différence entre ça que corporalité et personnalité. Donc, là, le mot personnalité, corporalité vient du mot corps, qui est la partie physique de l'homme. Ça, on a rien là. Mains, yeux, ou bien deux pieds, ou bien deux bras, ou bien ventre, ou bien tête, vous comprenez? Ça, a moins ouel, on a rien. Ça, c'est la partie physique là, bien aimé. Donc, c'est ça que la corporalité. Tandis que, montre un monde, n'est-ce pas, il y a un corps, et un animal, un bête, il y a un corps tout, corps physique. Tandis que la personnalité est un ensemble de caractères permanents d'une personne. Donc ça va venir tout le temps dans le monde. Ce sont des traits caractéristiques qui sont dans le monde tout le temps. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on ait une personne, ce n'est pas, n'est-ce pas, qu'elle est un corps. Parce que pour un monde, on n'a pas nécessairement besoin de corps physique. Car si la possession d'un corps, n'est-ce pas, c'est critère pour te baser pour un monde, c'est corps physique pour te gagner. Eh bien, Dieu ne le serait pas, puisque Dieu est esprit. Dieu n'a pas un corps physique. Dieu n'a pas un os. Dieu n'a pas un chair. Dieu n'a pas un sang. Bien aimé. Très important. Donc, nous, pour un monde, nous n'avons pas nécessairement besoin de corps physique. OK? Et pas oublier, je vous dans Jean 4, le verset 24. Jésus-Christ déclarait à la femme samaritaine, il dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nous avons l'intellect, n'est-ce pas? Nous avons développé pour l'intellect là. Et c'est cette capacité de penser et de raisonner. Donc, nous, n'est-ce pas, yon moun, pour moun, il faut qu'à penser, il faut qu'à raisonner. Donc, Saint-Esprit, il faut qu'à penser, il faut qu'à raisonner. Nous te montrons ça mardi dernier. Très important. Donc, à soi, bien-aimé, nous allons garder une autre particularité, une autre bagage que Saint-Esprit qui est dans lui, qui fait que Saint-Esprit est une personne. Et comme moi, nous, pas jamais dit ça, pour yon moun, nous n'avons pas nécessairement besoin d'un corps physique. Vous comprenez? Très très important. Deuxièmement, c'est la sensibilité. La sensibilité que nous avons, n'est-ce pas, définie pour vous et mardi soir, c'est la capacité d'éprouver des sentiments. Donc Saint-Esprit capable d'éprouver des sentiments. Pas oublier, n'est-ce pas, dans Éphésiens 4, le verset 30, nous allons lire pour vous. Éphésiens 4, le verset 30, la Bible déclarait dans Éphésiens 4, le verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Très important. Piga ou attrister le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, même la Bible montre que je fais Saint-Esprit triste.
par conduite moi, par attitude moi, par comportement l'or rebelle, l'elle dit au fond bagarre pas faire, l'elle doit là dans son monde d'évangile ou pas faire, l'elle doit mais qui j'en pour vivre ou pas faire les gens doulan ou qu'a tristé Saint-Esprit dans ou pas un chrétien ou tomber dans péché quelconque ou par contre triste manger pas bon dans bouchou rien pas bon pour roi parce que ou a outragé l'Esprit Dieu ou attristé cet esprit dans ou le attristé cet esprit dans ou pas sentir bien du tout ou pas chance à nous chanter rien pas bon là ou pas là sans ou tout travail vain comprendre dit dans présence au Seigneur nous reconnaître qui j'en nous plein à défaut ou remet nous en réalité mon raï péché nous ça fait que le chrétien vive dans le péché ou attristé le Saint-Esprit hein toute conduite n'est-ce pas qui pas exemplaire qui pas de nature à glorifier le nom de Dieu. Eh bien, il y a tristé l'esprit bon du nom. Par contre, quand on a un chrétien qui est triste, il est sombre. On met le manger le pire, mais il va se manger. Oui, parce que l'esprit bon Dieu a tristé dans lui. Donc, nous, n'est-ce pas, Saint-Esprit sont mouniers. Au café le chagrin. Au café l'entrée en colère, bien aimé. On prend. Donc, Saint-Esprit, il a la sensibilité. Hein? Il a la faculté, ça, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, éprouver des sentiments. Ou par contre, il y a un monde, n'est-ce pas, qui est rempli de Saint-Esprit, il est tombé à bris. Et pas mon Saint-Esprit qui a pris dans le livre. La Bible dit Jésus-Christ, il est très saillé de joie pour le Saint-Esprit qui est dans le livre. Il moi je réjouis, je suis content de ce que bagaille ça, ou réservé, ou révélé à pitié, à mon pitié. Mais mon qui grand, yo, ou pas montrer ça. Jésus-Christ était très saillé du Saint-Esprit. Il était rempli avec joie, contentement. Saint-Esprit contre mon contentement, tout bien aimé. Très, très important. Donc, nous voyons dans ce passage-là, il dit Pigam a attristé le Saint-Esprit. Bien aimé, vous me posez une question. Est-ce qu'on a attristé une lumière? Non. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de réfléchir. Il n'y a pas de penser. Il n'y a pas de raisonner. Est-ce qu'on a attristé une voiture? Non, pas attristé une voiture. Est-ce qu'on a attristé une maison? Non, pas attristé une maison. Ce sont des choses liées. Il n'y a pas de vie dans le lit. Mais on a attristé une monde. Est-ce qu'on a attristé un vent? Ou pas attristé un vent? Est-ce qu'on t'a attristé, n'est-ce pas, lumière? Lumière, c'est lumière. Lumière, c'est puissance, lumière, c'est force. Mais lumière, on pas capable avec lumière. Après, très important. Ok. C'est juste pour montrer que cet esprit sont monde que lié. Ou qu'a attristé, ou qu'a fait le fâché, ou qu'a fait le chagrin. On continue pour montrer au bien-aimé. Rappelez ça écrivé dans la Bible. Où sont les sacrivés, Ananias et Saphira? Non, Acte chapitre 5, je crois. Mais, monsieur, dame, c'est madame, monsieur, oui. Gon condition qui était passée. Tout le monde qui vend bien, il a porté, n'est-ce pas, l'argent dans le pied, apporté, pour apporté, même prendre l'argent, ça pour partager à tout le monde qui a besoin de nécessité. Tout le monde te répond oui, d'accord. Et ça fait Bible que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout soit ajouté vient du malin. Mais en Bible enseigne, n'est-ce pas? Marie apparaît, elle a menti. Le film a menti. Quand il y a là, l'apôtre Pierre dit, mais pour qui ça? On prend, ou vient tenter le Seigneur? Pour qui soit cet esprit menti? Hein? Il dit, c'est bon Dieu même qu'on a menti. Et à l'instant même, puisque la tristesse de l'esprit de Dieu, l'esprit bon Dieu tue à l'instant même. L'esprit bon Dieu qui n'a pas de Pierre, tue. Il y a l'enterré sur le champ. Madame vient quelques heures plus tard. Et puis, il a posé la même question. Depuis que tu es concilié à Bulac Maria, on peut dans ça qui pas bon. Parce que nous t'entendons, nous t'ai dit que l'argent était pour nous porter dans le pied à c'est pour respecter parole. Mais il a posé la question, il a menti même gens. Cet esprit en colère, qui ça le fait? Il a tué sa fille à tout. Il a l'enterré le même côté. Donc, ou a attristé le Saint-Esprit de Dieu. Ou a fait l'entrée en colère contre vous. Contre le Saint-Esprit bat le monde, bien aimé. L'a attristé, il a battu. Ah oui, moi ça fait, bien aimé. Puis quand je vois bagage sérieux. Puis quand je vois bagage sérieux. Donc, nous, la sensibilité, c'est cette faculté, ou du moins cette capacité d'éprouver des sentiments. Vous comprenez? Que le cas content, le cas fâché contre vous. Très important. Vous voyez, la Bible dit, vous cas péché contre Jésus-Christ, vous avez une pardon. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, vous n'avez pas une pardon. Ni dans le siècle, ni dans le siècle. Ou on a péché contre lui. L'on péché contre le monde. Qui sont fait mon ou attristé mon nom. Ou offensé mon nom. Ou font bagarre qui contraire à santé doit faire, bien aimé. Et l'on fait le fâché. Ou fait le fâché. Attention. Pas oublier cet esprit, la troisième personne de la Trinité. C'est lui-même qui aime place Jésus. Hein?
C'est lui-même qui joue le rôle ça sur la terre. Non, nous. C'est lui qui protège nous. C'est lui qui donne force pour nous prier. C'est lui qui fait diable pas manger, nous bien-aimés. C'est lui-même, nous dormons, nous fait songe, nous, ouais, on prend le conseil de bagage. C'est lui qui révèle nos bagages. C'est lui qui révèle nos futurs. Ça va le passer très bientôt. C'est lui qui révèle ça qui va passer dans la famille. Très, très important. Donc, c'est pour nous cultiver la présence du Saint-Esprit dans la vie. Comment? Dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Ok? C'est lui-même qui peut l'ouvrir les yeux. Nous n'avons pas jamais compris dans la Bible si cet esprit va l'ouvrir les yeux, bien-aimé. Au cas l'église, pendant 15-20 ans, nous n'avons pas jamais connu. Nous n'avons pas de remarque, nous qui écrit dans la Bible. Ou à l'île chaque jour, ou à philosophe. Regardez, nous qu'on lit parce que tout le monde. Mais comprendre ça, on va pas comprendre. C'est cet esprit qui peut l'ouvrir les yeux. Donc, nous, le deuxième point, c'est la sensibilité. Ok. Troisième point, nous allons montrer dans cet esprit qui fait que cet esprit nous donne son monde que lié. Hein? C'est la volonté. Donc, n'est-ce pas oublier ça? Hein? Donc, pour un monde, une personne est un être vivant. Il est conscient de son existence. Une personne est celui qui, son monde qui a pensé, son monde qui a agi, qui a fait action. Ok? Donc, une de l'autre attribut que cet esprit possède dans l'itou, c'est ça que l'est la volonté. Cette capacité de choisir ou de décider. Il a choisi, il a décidé. Il a pris maillette là dans main. Il a fait salve les bien-aimés. Donc, on nous garde dans 1 Corinthiens 12, le verset 11. 1 Corinthiens 12, le verset 11. On nous garde qui sa parole, bon Dieu dit, bien-aimé. Pour nous prouver que Saint-Esprit, on prend une volonté. On ne peut pas faire salve, parler. Ok. Il dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ah, bien-aimé, parlez maintenant. Un seul et même esprit. Ici, il y a parlé du Saint-Esprit. Qui opère, il a opéré, ça veut dire que son, il a administré, il a passé l'ordre, hein, il a tout ça pour faire. Ok. Parce que pour opérer tout bagaille ça yo, faut gen mind, faut ka réfléchi, hein, faut gon forte personnalité, faut gon force de caractère pour dire non pas faire ça, fait ça. Qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. Ouais, cet esprit, il pas qu'on fait mystique. Il pas qu'on fait mystique, il ka distribuer, il distribuer don à l'église. Gen moun ki gen don de parler en langue, c'est cet esprit qui baoul. Gen moun ki gen don pour interpréter les langues. C'est pas tout le monde qui parle en langue. Gen moun li bay don pour opérer des prodiges. Gen moun li bay don n'est pas pour chasser des démons. Gen moun ki bay don de libéralité, tout le bagay même don yo. Mais c'est cet esprit qui opérait tout bagay ça. Non nous ka dans le ministère. Mais bagay même ministère. Ou ka servir Jésus, pas dans même ministère. OK. Ou ka pasteur, moi pasteur, ou ap desservi une église, m'ap desservi une église, mais nous bagay même ministère. OK. Gen moun ou après bon Dieu faire focus sur ces deux bagages. Il dit moun ça c'est l'église ça pour le marché. Parce que ça n'a ni besoin sans l'église ça pour joindre. Donc cet esprit, c'est lui qui opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. C'est pas au capacité l'ordre, au capacité baka l'ordre, au capacité démon l'ordre, magicien yo, yo gon prix yo payer pour faire magie, pour faire lévitation, pour foncer deux bagages. Pour faire bagage disparaître. C'est démon fait travail pour yo. Mais pour ça fait, qu'on sacrifice pour ça, magicien fait, bien aimé. C'est ce que Saint-Esprit pas capable de l'ordre. C'est lui pour nous ça pour faire, bien aimé. Il paraît avoir, c'est au crétavel. Très important, bien aimé. Un seul et même esprit opère, ça veut dire le Saint-Esprit, c'est lui qui opère tout bagage. C'est manager général, là, general manager. C'est lui même qui administre tout bagage. C'est lui pour dire, tel pas tu fais ça, tout le monde fait ça, mais ça pour faire. Ou même ou gagne un don pour guérison, c'est lui qui a besoin de guérir. Ou même ou gen don pou parler, c'est li ka pou ki langue pou parler, pas ou vle parler. C'est pas langue moun al lan séminaire. Nou pran yo apprendre dialecte africain, yo dou frita pa kay pay. Tande ça, ça pa parler en langue, son ba yo apprendre. OK, c'est apprendre ou apprendre ça. Bible du Saint-Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est pas j'en vle non. Moi gros moun ka font service, regardez l'ouvri pou tout ça sorti. Tout ça sorti. Tout ça vle sorti. Bêtise qu'a sorti tout oui, fatra qu'a sorti tout oui, on s'en vient dire là. C'est cet esprit pour nous ça pour dire. OK. Parce que moi tout le monde qui parle en langue c'est en a fata, kaya, Jacques Garcia. On peut c'est bagaille ça. Bam dou bagaille. Ça parler parler en d'autres langues. L'on parle en d'autres langues, c'est cet esprit qui a opéré bagaille ça dans où. Bible en dit n'est-ce pas? Apôtre Paul, il est sur l'île de Malte,
Et puis il dit, gouverneur, il a un désir pour entendre la parole de Dieu. Mais tu as un magicien qui te le bord Jésus. Monsieur, n'est-ce pas, il était comme ça avec le gouverneur. Il m'a dit, c'est parce que monsieur, on a fait miracle, mensonge, bagage. Donc, gouverneur, quoi, non, monsieur? Quand on a l'oué, n'est-ce pas, apôtre Paul disposé pour le prêcher, pour l'enseigner, pour le prêcher, gouverneur. Et gouverneur a ballon actif, on écoute active, l'attendre ça, apôtre Paul dit. Maintenant, il dit, démon, qui n'a pas magicien que le bord Jésus, il vient pour le troubler, n'est-ce pas, apôtre Paul? Pour ne pas prêcher, gouverneur, parce que le gouverneur a sorti pour le convertir là. Bible dit, on fight entre Bac et monsieur, démon et monsieur, avec Saint-Esprit, bon Dieu, qui dans la vie apôtre Paul. Apôtre Paul, pour qu'on active, Saint-Esprit, pour qu'on active, il dit, mais il en dit. Mais là, qu'on y a là, un homme a sorti pour le barrer, apôtre Paul, opposé. Saint-Esprit activé dans apôtre Paul. Apôtre Paul, même quand elle remplit du Saint-Esprit, et puis il a prophétisé sur monsieur. Il dit, ou même fils de la bête, fils du diable, mais ça qui a pris vous, ou a fait 3 jours, ou pas ouais du tout. Même côté, monsieur avec, il dit pas ouais. La marche en tâtonnant, c'est Kébé. À ce moment-là, gouverneur tremble, le saisit. Monsieur obligé de prendre l'évangile. Monsieur a puissance bac avec tout magicien. Il dit pas qu'il n'y a pas qu'à comparer à puissance du Saint-Esprit qui n'a pas apôtre Paul là. Donc, nous, Saint-Esprit bien-aimé, il a agi. Même Jean Moutou là, il a volonté. Apôtre Paul était doucement, elle n'a pas l'air bien. C'est tout d'un coup, l'esprit du rempli, pop! Et puis il neutralise des démons dans l'autre, il fait l'aveugle. Ah, ouais, cet esprit, et pas que je vois dans ça. Donc son mounier, il prêtait à bouche à Apôtre Paul pour le parler, l'activer dans lui. Ça veut l'homme rempli du Saint-Esprit, c'est al doucement. Et pas mon nom qui a parlé bien aimé. Ou qui a compris, c'est mon nom qui a fait intéressant. Et puis l'esprit, mon Dieu, pour le sens, ou mourir même côté. Ça veut dire, l'homme qui est cet esprit, puis qu'on joue avec ça, bien aimé. C'est pour doucement pour être pour donner sa parole mon Dieu. Ça mon Dieu a dit attention. OK. Donc cette volonté. Donc 1 Corinthiens 12 verset 11. OK. On regarde dans Acte 13 le verset 2, bien-aimé. Dans Acte 13 le verset 2, Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pas bien d'une volonté, il a choisi, il a décidé. C'est lui pour décider qui pour l'église a fonctionné. OK. C'est lui pour décider de vivre. Dans Acte 13, le verset 2, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur, à savoir les disciples, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, c'est pas yo qui dit non, Saint-Esprit qui parlait à travers yo. Yo pas dit un tel dit, yo pas dit apôtre Jacques te dit, yo pas dit Jean te dit, yo pas dit apôtre Pierre te dit, yo dit, c'est Saint-Esprit même qui parlait et qui dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est pas Paul, et pas Saul, ni apôtre Paul qui était venu à prêcher l'évangile. C'est Saint-Esprit même, oui. Ou est la volonté du Saint-Esprit. Il choisit apôtre Paul. Il choisit Barnabas pour l'œuvre que le terreur pour qui œuvre. Al prêcher par un, al dit par un pour repentir. Al dit par un pour convertir. Et c'est dans l'optique ça, le livre sur l'île de Mat, il était joué, n'est-ce pas, gouverneur, la prêcher l'évangile, qu'on y a là, magicien que les bords Jésus, il vient mettre opposition. Pas oublier, gouverneur sont pas un lié. Et Wall Saint-Esprit, Wall, pour qui ça a choisi apôtre Paul? Pour l'apôtre l'évangile là, by moon qui est converti. Qui ça le fait là, bien aimé? Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui est-ce qui dit mettez-moi à part là? Le Saint-Esprit. Ouais, parce qu'il y a une volonté. Donc, ouais, c'est pour une chose liée. Son monde lié, il décide ou pour mettre pour moi Paul avec Barnabas à part. Parce que mon travail mal fait. Ah, ouais, ça, c'est pas yo qui voulait le faire. C'est Saint-Esprit qui dit mais ça peut le faire. Très important. Donc, Saint-Esprit a une volonté. Il a, n'est-ce pas, faculté ça, hein? Il a choisi. Cette capacité de choisir et de décider. Mettez-moi, n'est-ce pas, à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, nous, Saint-Esprit, c'est parce que le son monde, c'est lui-même qui parlait. Il dit, mettez-moi Barnabas à part. Est-ce que Glocado mettez Paul, mettez Barnabas? Non, Glocado dit ça. Est-ce que Van Cadil? Non, Van Cadil. Est-ce que courant électrique qui sont en France? Non, le Cadil. Est-ce que Chezak a levé le bouton, mettez-moi à part Barnabas? Non, il faut que son monde qui vous parle. Donc,
Là, elle dit, mettez-moi à part, c'est parce qu'elle a une bouche. Et parce qu'elle a une personnalité qui fait lui passer l'autre, bien aimé. Ils sont chefs liés. Pas jamais oublié ça. Ok. On continue pour nous montrer que Saint-Esprit a une volonté. Il a une capacité ça pour choisir et pour prendre décision. Dans Jean 14, bien aimé, les versets 16 et 17, on lit. Jean 14, les versets 16 et 17. Mais ça le dit. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc d'abord, Jésus-Christ, bon petit poula, il montre que le Saint-Esprit pas demeurer dans le monde qui va dans Jésus. Sous pour qu'on fait la part, le Saint-Esprit va demeurer dans vous. Bien sûr, cet esprit qui a guidé ou qui a conduit, n'est-ce pas, pour accepter Jésus. Il a convaincu, c'est ça le dîme. Cet esprit, là, il va venir, il va convaincre nous du péché, de la justice de Dieu et du jugement. Il a convaincu, mais il ne peut pas demeurer dans vous. Ok. Dans verset 16, qui ça le dit bien, mais regardez pour nous. Je et moi, je prierai le Père. Qu'est-ce qu'a prié papa? Ce n'est pas cet esprit, non, là. C'est Jésus-Christ qui a prié papa. Pour qui ça? Il va avoir un autre consolateur. On ne faut camper là. S'il dit, il vous donnera un autre consolateur, cela veut dire que Jésus-Christ, ça cet esprit, c'est ça Christien. Parce que Christ, c'était le premier consolateur qui est venu. Il dit, l'homme parle, il y a avantage de m'aller. Parce que si je parle, le consolateur va venir. L'autre consolateur. Donc, ça Christien et ça cet esprit. Jésus-Christ, son monde, Saint-Esprit, son monde. Christ est venu sur la terre, il vient habiter dans le corps, et ça faut qu'il dise au monde. Et bien, cet esprit, c'est mon lié, il n'y a pas un corps physique, mais il joue le même rôle que Christ remplit. L'autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Cet esprit a vivant dans, l'a prétendant dans. Je vais vous donner un petit peu de bien. Il y a des gens qui font expérience, n'est-ce pas? La puissance du Saint-Esprit. Mais mon sali désobéit, bon Dieu. Le désobéit, bon Dieu, mettant Saint-Esprit fâché, la tristé. Et puis, bien aimé, il ne vient pas qu'à fonctionner encore. On dirait Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il n'est pas dans la ville encore. Attendez bien ça, Mabdoula. L'a tristé le Saint-Esprit, ou qu'il n'est pas qu'à fonctionner. C'est comme si nous avons vide. M'bral don bagay. C'est pas aller, Saint-Esprit, aller. Il fait comme s'il pas là, il pas agi dans nous encore. Mais s'il t'a fait autre diable t'a mangé. S'il pas t'a vivant dans diable t'a mangé. Bien aimé. Mais qui s'est passé ou même ou gain impression, il pas la voir. C'est son senti. C'est pas là, pas là, il fait comme s'il pas là. Mais ouais, monde qui vit dans péché, bon Dieu conserve avec en pile. Mon arrive l'église pas fonctionner. N'importe qui va faire se tomber. Ouais, et cet esprit attristé, il pas activé dans lui. Donc c'est comme si nous avons une expérience pour nous faire, c'est comme si nous avons cet esprit dans la ville. C'est ça le senti lié. Et c'est ça que nous avons senti vrai. C'est ça l'expérimenter. Mais ce n'est pas là le parlant. Il n'est pas agi du tout, mais là. Parce que s'il n'est pas là, diable t'a mangé nous. Et regardez qui ça dit nous là, bien aimé. Non, verset, regardez nous. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure. Qui, comment? Et pour une journée? Hein? Non. Éphémèrement, non, il n'est pas éphémère. Qu'il demeure éternellement avec vous. Maintenant, même le monde vit dans le péché, il ne sait pas ça. L'absent de cet esprit pas avec vrai, parce que la vit dans le péché. Cet esprit va agir, il ne parle pas, il ne répond pas. Ou prie, il ne répond pas. Mais ce n'est pas là, il ne parle pas, bien aimé. On va l'expliquer, nous. Nous-mêmes, parents, nous avons petit tout. Nous dit chérie, je suis sorti, oui. Je suis sorti. On prend Kaila sous responsabilité. C'est vous qui pouvez sous Kaila. M'a souhaité me quitter, n'est-ce pas, pour abouir. Après 30 minutes, c'est pour, n'est-ce pas, ça pour faire, c'est pour prendre poids, pour retirer du feu en bas. Yes, mamie, yes, 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 papa, yes. Quand on a un final, on a un petit ami dans le voisinage. On va jouer. On va jouer. On va jouer. On va jouer basketball. Quand on a l'eau à l'air, mais pour abouiller.
Depuis dehors, où elle a fumé comme ça, là. Mais on a mis deux mains dans la tête. Sambral dit maman m'le vini. Sambral dit papa m'le vini. Mais bien aimé. Mais si papa vini la triste, le fâché. Li kembo le rompi ou. Li fait idée au mu. Hein? Même chita ou pas kachita. Ou pas kachita papa méchant. Ou pas kachita le méchant. C'est parce qu'on désobéit. Ou a triste, li fâché le bateau. Et non seulement le bateau, li bon punition. Maintenant, pas qu'il sorti pour vous pendant 3 mois. Saute l'école vini. On prend une retirade sous vous, fait toi là tout manger, alors après une leçon. Ah, gros causé, bien aimé. Maintenant, là, elle fait ça, puis qu'on est dans le cas là, elle méprise le papa là. Est-ce que le papa pas dans le cas là? Of course, il est dans le cas là. Mais elle méprise où? Et où senti mépris à Dieu? Maintenant qu'on est, où sent tout pour contre? Il n'y a pas là. Hein? Ou costume d'adou, sent tout pour contre? Mais c'est pas papa pas là. Il est là, bien aimé. Il est là, of course, il est là. Il est là. Parce que littéralement là, si tu as mal à l'arrivée, tu n'as pas de mal à l'arrivée. Ou elle là? Ou pas, on a eu un monde même, mais bon Dieu, souli, bon Dieu, qu'on a privé de l'enseigner de bagaille? Of course. Parce que Dieu, son Dieu d'amour lié. Et bien, c'est ça qui passe, Saint-Esprit. L'offre fait ça qui pas bon. Ou à tristelle. Ou qui n'a pas senti présence. Mais ce n'est pas là, le pas là. Il fait comme s'il n'est pas là. Mais là, parce que s'il n'est pas là, diable t'a mangé nous, bien aimé. Ah ah. S'il n'est pas là, diable t'a éliminé nous. Très important. Pas jamais oublier ça. Donc, nous comprenons le verset. L'a demeuré éternellement avec nous. Ok. Nous, la Bible emploie le pronom personnel, il, pour nommer le Saint-Esprit. Ok. Ça veut dire son monde lié. Son pronom personnel lié. Troisième personne du singulier. Ok. Donc, nous, on ça. Donc, nous, on que Saint-Esprit ici, qui a une sensibilité, ça. Il a une volonté, il a choisi, il a décidé. Ou est-ce que Christ dit? Hein? Ma prie papa, la voie est l'autre consolateur pour lui venir remplir même rôle là que m'était rempli dans la vie nous. Et lui-même l'a demeuré éternellement avec nous. Mais cet esprit là là vous, c'est lui qui a montré qu'a bon songe, c'est lui qui a dou ceci, c'est lui qui a dou cela, etc. Donc c'est juste pour montrer au bien-aimé, cet esprit a nos besoins dans la vie nous, son monde que lié. Ou dans Jean 14, les versets 16 et 17, que ça le dit. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, il n'est pas pour le monde. Il a convaincu le monde du péché, de la justice et du jugement à venir. Mais il n'est pas demeuré dans le monde qui n'a pas croire dans Jésus. Il a convaincu le monde qui est dehors qu'on a péché pour accepter Jésus. Il a même des songes, mais il n'est pas vivant dedans. Mais nous autres croyants, cet esprit demeure en dedans. Nous. Très important. Ok. Dans Jean 14, verset 17, pas oublié. On regarde Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le monde, par contre, cet esprit. Ça fait le monde qui est dans le monde, dans le bagage crainte. Dieu le fait, ça le veut, qu'elle ne pas sauter. N'importe ça le fait, qu'elle ne pas sauter. Mais nous-mêmes, nous comptons cet esprit parce qu'elle n'est pas nous. Ou pas elle, le chrétien péché, qu'on saute. L'homme ou péché ou attristé. L'eau péché, même pas qu'elle mange au pire, mais on pas qu'à manger, elle dit pas qu'à descendre. Ouais, parce qu'on a fait cet esprit attristé dans où? Très important. Ok. Parce que lui habite dans où? Lui demeure avec où? Et il sera en vous. Ah, yaya. Yeah, yeah. Lui qui a avoir sous côté la parole, puis lui en dans tout. Et éternellement avec où? Et ça fait Bible en dit, si nous pas qu'un Saint-Esprit, nous pas qu'à sauver. Si vous pas qu'un Saint-Esprit, vous pas enlever. Bien, très important. Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, il n'est pas appartenu à Christ. Faut cet esprit demeurer dans vous. Très important. Très important. Faut l'habiter dans vous. Donc, le Saint-Esprit, il demeure dans nous. Jean 14, le verset 17. Dans 1 Jean 4, le verset 16, on garde sa parole, bon Dieu dit. Il dit, comme le Père est en nous, là, dans 1 Jean 4, verset 17, bon, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin
que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. L'amour est en nous, cet esprit en nous, très important. Le Fils est aussi en nous. On regarde 2 Corinthiens 13, verset 5. Ok. L'œil dit m'a demeuré avec où? Jésus-Christ demeure en nous. Mais Christ monté là dans le ciel, il est à la droite du Père. Mais Saint-Esprit, l'autre consolateur, gros verset en Bible qui dit oh, l'Esprit est le Seigneur est l'Esprit. Donc l'œil dit lié avec quoi? Jusqu'à la fin du monde. Là. Saint-Esprit, c'est bon Dieu lié. Donc Saint-Esprit, dans où? C'est Christ même qui est dans où? Bien que c'est deux personnes différentes, tu vois. L'a demeuré dans où? Il n'est pas quitté orphelin. Très important. Dans 2 Corinthiens 13, le verset 5, qui ça le dit, bien-aimé? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Bien-aimé, on parle. Même il y a Jésus-Christ dans moi. Est-ce que moi, Christ, dans moi là? Non, pas dans moi. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est en moi. Comment est-ce que moi? Par le Saint-Esprit. Parce que le dit dans Romains, oh, le Seigneur c'est l'Esprit, et l'Esprit est le Seigneur. Nous connaissons un Corinthien. Saint-Esprit c'est Seigneur, Jésus est Saint-Esprit. Oui, parce que c'est même personne, c'est trois personnes, n'est-ce pas? En un seul Dieu. Il y a même nature. Il y a tout puissant. Très important. Ok. Ou pas Christ, tout le monde qui voit papa, ouais. Celui qui a vu le Père, c'est lui ou aime tout, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, il dit là, n'est-ce pas? Christ, Jésus-Christ, est en vous. À moins, peut-être, que vous ne soyez réprouvé. Pour cet esprit pas habiter dans vous, bien-aimé. Il faut que vous réprouvez. On a que vous réprouvez. Hein? Son monde, n'est-ce pas? Il t'aime en péché, le péché, le péché, le péché. Il fait tête, il fait tête. Bon Dieu avertit. Cet esprit pas là, il pas attendre, il pas attendre. Mais cet esprit râle l'école sur monde ça. Moun nan vin réprouver, vin insensible. Bagay n'est pas longtemps t'es peur faire yo. Koun yan la quel pas sauter la faire yo. Li grain dans la prise c'est pas rien. Moun nan vin réprouver conscience li mouri. Et leur conscience mouri, cet esprit pas dans ou encore. Et pas de possibilité pour sauver. C'est ça le dit dans Hébreux chapitre 6 là. Li impossible pour renouveler. Ouais, parce que cet esprit pas demeuré dans ou. L'important pour cet esprit demeurer dans le chrétien. Si cet esprit pas demeurer dans vous, ou pas qu'à sauver. Si cet esprit pas dans vous, ou pas qu'à enlever les trompettes la sonner. Très important. Faut que cet esprit réside dans vous. S'il pas dans vous, ou pas qu'à sauver. Pas oublier, bien aimé. On nous regarde. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il n'est pas une force agissante. Ou une influence impersonnelle, comme le prétendent les fausses doctrines. Parce que, il y a certains sectes de Dieu, il faut comprendre, cet esprit est la force agissante de Dieu. Cet esprit pas moun. Et bien, s'il pas moun, comment faire, n'est-ce pas, le nous prier, hein? Il prend un message là, ça n'est pas qu'à dire avec bouche nous, là nous plaignons Jésus. Oh, c'est, on pas qu'à dire ça pour dire. Il prend plein de temps, il décode des messages là, il porte devant le trône de Dieu. Il prend force. Cet esprit qui est propre force comme monde. Même j'aimerais m'avoir, nous qui force pas nous. Tout le monde a même force. Des bon monde mal nous, pas qui force, mais il y a un monde qui est bien nourri nous. Ok. Vous voyez, il y a un monde qui fait malnutrition à Haïti. Il y a quoi choquer? Ouais, nous, tout le monde a coulé, on des barres drôles. Et maman, papa, pas mis là, maman, pas mis là, je vais soir. You see? Ouais. Parce que mal nourri. Ok. Et pourtant, il y a un monde qui a une force, mais il n'y a pas une force à contre, il y a un monde qui bien nourri. Très important. Donc le Saint-Esprit n'est pas une force agissante ou une influence impersonnelle comme le prétendent les fausses doctrines. Le Saint-Esprit a de l'intelligence, il a une propre intelligence. Le Saint-Esprit a de la sensibilité. Le Saint-Esprit il a une volonté, il a choisi, il a décidé ou qu'a attristé, bien aimé. Donc on ne peut pas attrister ou mentir à une force. Est-ce qu'on a menti ou qu'on a de l'eau menti? Ou qu'on a de l'eau menti, ça se voit. Je ne dois pas qu'on pour le répondre. Hmm? Est-ce que n'est-ce pas vent, sous pas la vent, vous attendez? Non, pas attendez. Donc, on ne peut pas attrister ou mentir à une force. Telle que par exemple, nous avons l'électricité ou bien le vent. Mais ou qu'à attrister et ou qu'à mentir uniquement à une personne. Ou qu'à bailler au monde mentir. Ou qu'à bailler maman mentir. Ou qu'à bailler mari ou mentir. Ou qu'à bailler madame ou mentir.
ou ka l'en côte ou bay menti ou ka l'en immigration ou bay menti dans pi moun kapten la nous ba menti la dans l'immigration et puis n'a jwenn pour nous dire bon Dieu délivre nous ah li pas ka fait comme ça c'est pour dire vérité comprendre ou t'es entré ici asile politique ou pas dire politicien même pays au parti pour ta politique ou pas une nade ou défendre loi pays loi peuple et pas du tout ou pas comme ça comme ça du tout parce qu'on a rien en politique et puis l'on y voit le fil asile bah asile politique bien aimé on a mensonge et vous voyez je vous dis bon Dieu délivre comment on y voit le délivre là il va garder le livre c'est pour dire vérité c'est pour dire bagarre l'argent lié on connaît pas compte ça me dit mais c'est la vérité on pense c'est la vérité donc au caractère you moon au caractère you moon parce que ouais parce que mon nom il gain sacré ou intellect il ca penser il ca raisonner hein il ca éprouver des sentiments non bah mon raï comme ça l'on fin bal menti ou bafouel et puis mon nom vient découvrir ces mentir bal mon ça qui d'avoir même pas avant ça qu'on arrive deux monde qui marié et puis nègre l'a trompé fille et puis connait là il comprend fille pas jamais et puis fille a écrit l'a posé il y a une vidéo là il y a tout à fait là il va bailler menti mon cher pas bailler et puis moi je le mets au chita puis le mets chez dit ouais mais quand on tellement ça tout le monde on pas ca courir on pas ca lever mes preuves là devant on regarde vidéo tout son veille connait là on pas ca dire rien on va tourner nègre ça va dire oh pas pour ça c'est moi sous moi mettre caméra ou tellement égaré ou pas comme ça pour dire même j'avais un voleur on pas aller qu'un voleur voleur tellement saisi même courir pas ca courir ça veut mon dieu pas ca bailler menti c'est pour dire vérité ou ca mon dieu dans faiblesse ou bailler menti oui mon pas ca mener une vie de mensonge ou pas ca pratiquer le mensonge ça veut chrétien même là on mensonge pour demi seconde ou sans tout déranger en don déranger cet esprit pas content avoir pour son faire très très important pas jamais oublier ça. Ok. Gardez pour nous, on t'a expliqué ça tout à l'heure dans Acte 5. Ça qui est arrivé à Ananias, à Saphira, bien aimé. Et pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ah, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Et ça fait tous les deux mourir. Dans Ephésiens 4, nous sommes tous à verset 30, il dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pas chita ou gen parce que c'est l'esprit ou à vivre dans le péché. Ah, mais c'est pas une fois de la promesse. Ou à gagner le péché, ou à gagner le péché. Ou qu'à tristel. Finalement, il qu'à sortir dans où, bien aimé. Gemara ou tellement fait ou fait, ou à tristel, ça qui vient passer là. Il à l'école dans où net. Attention. Attention, bien aimé. Veillez. Nous pas qu'à nous mon bon Dieu. Et puis, pour consciemment nous qu'on est à vivre dans le péché, ça va dire rien. Évitez, je ne bagaille ça, ou bien aimé. Donc, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit en tant que personne divine a une relation par rapport aux croyants dans l'appel. Car la Bible nous dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, parle du si cœur. Et ça le dit dans Hébreu 3, les versets 7 et 8. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ouais, tout le monde qui vous sauve, devant nous, il y a une voix qui dit, al converti. C'est Saint-Esprit qui parle avec le bien-aimé. Mon gondo mi sou couche dit al côté le pasteur fait le prier pour. C'est cet esprit qui avait il. Cet esprit qui prend foi mon n'a pas avec dit al pour prier pour qu'a sauver. Donc bien-aimé, la parole de Dieu est très claire. Le Saint-Esprit parle au fond de tout un chacun. C'est où il dit pour parler à cœur, pour le convaincre pour abandonner le mal et pour faire ça qui bien, bien-aimé. Mais Dieu a créé tout homme avec sa volonté. C'est à vous de choisir. C'est à vous de décider. Ou qu'à vous l'aimer, ou qu'à vous l'aimer, ou qu'à vous servir mon Dieu, ou qu'à vous servir mon Dieu, ou qu'à vous accepter Jésus-Christ, ou qu'à vous accepter Christ. Alors c'est à vous de choisir le bien ou le mal, la voix du Saint-Esprit ou celle du tentateur. Donc, à soi bien-aimé, moi mon trou, n'est-ce pas, Saint-Esprit, c'est yon moun que lié. Pas bien qui ça n'était pas l'homme, nous avons grande différence entre sacrilé, n'est-ce pas, corporalité ou personnalité. Donc, l'idée de la corporalité vient du mot corps, qui est la partie physique de l'homme ou d'un animal. Tandis que la personnalité, pas grand rien pour le voir avec le corps physique, mais c'est l'ensemble de caractère permanent d'une personne. Par exemple, un monde, il a intellect, il a capacité pour le penser, pour le raisonner, il a la sensibilité, de la capacité d'éprouver des sentiments qu'a triste, qu'a content, qu'a joyeux, qu'a vexé, qu'a en colère,
Il a tué tout. L'homme a fait jalousie, bien aimé. Émotion. En tant qu'humain, nous avons sacré la volonté, ça fait monde. Ou une volonté, ou qu'a choisi, ou qu'a décidé. Qui ça fait monde avec le diable? Et parce que il y a une volonté. Nous avons dit, bon, je vais mourir, je souffre, je ne vais pas manger. Nous avons pris un point pour le riche. Mais pas vrai, c'est nom ni le vendre tout. Ou font choix, son choix pour faire, oui. Ou qu'a fait choix, à soi qui ça m'a mis tout. Fait choix de Jésus. Accepter Jésus comme son personnel. C'est pas jodi a ou qu'on dorme ou fait ton ou un monde kap dou al converti al accepter Jésus-Christ et parce que bon Dieu pas vle pour mourir pour aller en enfer ou même kap tande ma soeur. Si vous entendez la voix du Seigneur ou senti cœur gon du feu la donne, accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Si vous avez fait ça ou gen numéro téléphone après service ou ap wel, n'est-ce pas, dans générique kap monter comme ça, on prend choisi numéro ça relé m'a pri avoir pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc nous il faut mon gain intellect, faut gain la sensibilité et la volonté. Donc bien-aimé, nous le Saint-Esprit, il gain qui ça? Il gain ni intellect là, hein, il gain sensibilité là et il gain volonté là. Donc en d'autres termes, Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de la Trinité. Saint-Esprit même les profondeurs de Dieu, il connaît toute bagaille, au cas triste bien-aimé, au cas il cas content dans tout. OK, c'est lui pour aider ou pour faire ou ça. C'est lui pour bonne force devant tentation, c'est lui pour aider ou pour sortir pour pas tomber. Très important, le persécution vini, c'est cet esprit pour bonne force pour résister, pour dire on préfère mourir, n'est-ce pas? Temps pour me t'aligner le nom de Jésus. Donc on a besoin cet esprit dans la vie. Bien-aimé, c'est temps pour nous prier, demander bon Dieu pour remplir nous avec cet esprit. Nous besoin cet esprit dans la vie nous pour nous faire route là. Donc à soi c'est là m'rété, m'pa dit plus, nous souhaiter que nous te comprenne ça dans petit là. Que bon Dieu bénisse. C'est un merci pour grâce. Merci pour compassion, merci pour fidélité, merci pour miséricorde, merci pour chaque monde qui est branché à soi. C'est au compte que chaque monde, au compte qui ça qui fait pas casser vous, au compte faiblesse nous, fortifier nous, nous t'en prie, fais-nous rester dans la prière, fais-nous chercher face. Ô Dieu Tout-Puissant, pour Saint-Esprit habiter dans nous, pour le conduire nous, pour l'enseigner nous, pour le mener nous, Seigneur, à comme l'autre consolateur, comme Jésus-Christ. Aidez-nous, nous, Seigneur, nous connaissons sans Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire route là. Sans cet esprit, nous n'avons pas qu'à sauver. Aidez-nous, Seigneur. Tant prie, fais-nous grâce. Fais-nous chercher face. Tant prie. Fais que l'Esprit de Dieu habite dans nous abondamment. Nous avons besoin de cet esprit pour diriger nous, pour conduire dans toute la vérité. Seigneur, mes chers, nous t'attendons de soi. Dieu Tout-Puissant, qui peut connaître Jésus, convaincre le Saint-Esprit du péché, de la justice de Dieu et du jugement à venir, pour qu'à sauver, pour accepter Jésus. Fais grâce, fais faveur. Dans le nom de Christ, Jésus, ton Fils unique, nous prions. Amen. Donc, bien-aimés, nous restons là à soi. Donc, série ça sur la personne du Saint-Esprit. Nous finissons avec lui. Donc, disons, mardi prochain, nous finissons l'autre sujet. Donc, nous souhaitons que bon Dieu te bénisse à soi. Restez avec la paix de Dieu. Je vous aime tous dans le Seigneur. À mardi prochain pour une autre étude. Je vous aime tous. À bientôt.